On termine ce journal avec ces images de cinéma. Hier, mercredi, jour de sortie, dans les salles, le Kinépolis à l'homme proposait une soirée spéciale à l'occasion de la sortie du film Une chanson pour ma mère, avec notamment l'acteur nordiste Guy Lécluse. L'histoire d'une fratrie décomposée qui veut offrir un dernier cadeau à leur maman mourante. Le chanteur Dave, son idole en personne, pour un concert privé en guise d'adieu. Mais ce projet assez délirant et peut-être un peu trop ambitieux pour tous ses frères et sœurs qui croulent dans le silence et les non-dits depuis si longtemps. Guy Lécluse était donc hier à l'homme à Kinépolis pour présenter le film, alors même que sa propre famille était dans la salle et il s'est arrêté un instant devant notre caméra pour évoquer ce film sorti donc depuis hier dans les salles. Alors, sans rien dévoiler, donc, dans l'histoire on sait que cette maman est folle de Dave et toute cette fratrie a été élevée par les chansons de Dave pendant toute leur jeunesse. Moi dans ma vie, ma vraie vie, ma mère qui est dans la salle également, c'était pas Dave, c'était Alain Barrière, tous les dimanches matin, ma vie. J'en peux plus. Et non, pas lui faire le cadeau de lui amener Alain Barrière. Non, je ferai autre chose.